change my guns here? Oh my god, the fucking shield got you in. Bruh. Bruh. Surprise, motherfucker. Et ouais les gars, c'est pas pour rien qu'on a inventé les rétroviseurs. Super combo. Voilà là, ce que je t'ai mis toi. Bruh. Excuse-moi frérot, tu cherches tes clés? Bruh. Les alliés se sont emparés du bonus. Bruh. Allez, couche-toi, on va. Thank you.
Allez, va, casse-toi de là, va. Oh putain, la voiture. On a le droit à une deuxième chance. Faut savoir la saisir. Yeah. Protocole renégat utilisé. Équipé renégat infecté. Ruche renégat. Really, coward. Yeah, fucking yeah. What? La police a pris extraction demandée. Et yo la team, c'est Krez, j'espère que ça boom. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau build PVP. Je vous avais déjà présenté un build tank DPS. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mettrai la petite fiche en haut à droite. Et du coup, là, je vais vous présenter un deuxième build qui fait partie de mes préférés. Parce que voilà, le but des vidéos, c'est que j'ai vu dans les groupes Facebook qu'il y avait pas mal de personnes qui découvraient le jeu, qui découvraient le PVP, mais qui ne savaient pas forcément faire un build PVP. D'autres joueurs aussi PVE qui voudraient découvrir les builds PVP, la méta. Donc du coup, je vais vous présenter celui-ci, un build qui est plutôt axé sur on est sur de la protection, mais on est beaucoup plus sur du DPS. Et à conseiller, moi je vous conseille en tout cas de le jouer plus quand vous êtes en team. Ça peut jouer solo, mais faut faire quand même un petit peu attention et pas foncer tête baissée quoi. C'est un build que d'ailleurs j'ai fait dans une vidéo en Dark Zone en solo. Je vous mettrai en haut à droite la fiche si vous voulez jeter un œil. Au niveau de l'aspect, on va jouer avec l'artilleur, hein, comme d'habitude. Grâce au kit, je vais avoir de l'overshield et du coup ça va me permettre d'avoir du dégât d'armes grâce à l'intimidation. Au niveau des armes, je vais jouer avec la Lady Death, que vous connaissez déjà. Vu que c'est un build PM, hein, vous allez le voir. Hein, donc la Lady Death, je l'ai déjà présenté. C'est la méta, il faut jouer avec parce qu'elle est, complètement elle est très forte quoi, hein, en PVP. La deuxième arme, je joue avec une Vector, avec 76 de dégâts et avec un CPM de 1200. Je l'utilise plus pour finir, pour switcher, vraiment pour finir s'il me manque des balles en fait sur la Lady Dev. Je vais, je passe sur celle-ci et comme elle a une cadence, donc à 1200, c'est plutôt sympa pour vraiment finir les gars. La Vector, je conseille. Au niveau des pièces d'équipement, je vais jouer avec deux pièces Walker, deux pièces Sokolov et un Grupo Sombra. Et le masque du Coyote pour aller chercher un petit peu plus de DPS. J'ai 1,5 million de protection. Sur ces pièces-là, on va aller chercher vraiment beaucoup de probas et beaucoup de dégâts critiques. C'est super important. Au niveau du masque, masque du Coyote, comme d'habitude, c'est son talent. Entre 0 et 15 mètres, comme on a une PM, entre 0 et 15 mètres, ça va me porter plus 25% de dégâts coup critique. Donc ça, c'est vrai que c'est un réel boost en dégâts coup critique. C'est quand même pas mal du tout. Au niveau du sac à dos, qui est en rouge hein, aussi, full rouge. Donc les deux pièces vont m'apporter 5% de dégâts d'armes et 5% de dégâts aux protections. Je joue en full rouge avec poussée d'adrénaline parfaite. Donc ça va me permettre d'avoir 23% de protection pendant 5 secondes. Au niveau du gant, ça va être un Grupo Sombra qui va m'apporter du coup 15% de dégâts coup critique. Donc voilà, on va aller chercher vraiment un maximum de dégâts coup critiques. Avec 168 000 de protection, des dégâts coup critiques de la proba. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le torse, c'est un Sokolov.
où les deux pièces vont me donner 10% de dégâts de PM et 15% de dégâts de coup critique. Je le joue avec la protection, 158 000, la proba et du dégâts coup critique avec un mode de dégâts coup critique et le talent intimidation, bien sûr, qui va m'apporter 35% de dégâts d'armes contre les ennemis situés à moins de 10 mètres. Du coup, Sokolov, ça c'est le holster. Donc pareil que je le joue en protection. J'ai la protection d'altération d'état, des dégâts coup critiques. Bon, j'aurais aimé avoir de la proba. Et la genouillère, c'est pareil. 510 000 de protection. J'ai de la santé. Donc ça, il faut vraiment que j'aille chercher cette pièce-là avec de la proba. Parce que la santé, franchement, ça sert à rien du tout. C'est une stat qui sert vraiment à rien du tout. Ouais, il faut vraiment que j'aille chercher un maximum de proba. En tout cas, sur cette pièce-là. Encore, voilà, la protection d'altération d'état, c'est toujours bien. Mais bon. La proba là sur un build comme ça, c'est spécialement de la proba et du dégâts coup critique qu'on va aller chercher. Au niveau des compétences, je vais jouer avec le bouclier et après avec le drone. Enfin, tout dépend, hein. Soit vous jouez avec le bouclier, la deuxième compétence, vous faites comme vous voulez. Soit vous jouez avec le drone défensif, soit vous pouvez mettre le brouilleur parce que voilà, bon, ça dépend sur qui vous tombez. C'est vrai qu'en Dark Zone, vous tombez beaucoup sur des personnes. Voilà, qui joue cancer, hein. Donc c'est la mousse, c'est les mines, c'est le mortier, c'est le drone d'attaque. Donc c'est vrai que c'est très 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 compliqué. Au début de la méta, les gens jouaient beaucoup mousse, donc c'était n'importe quoi, hein, aussi, hein. La mousse c'est complètement pété, hein. Mais là ça joue vraiment toutes les compétences, quoi. Ça sort les mines, les aiguillons, la ruche aiguillon, le drone d'attaque, le mortier, c'est vraiment, ça devient un petit peu n'importe quoi. Et voilà, c'est pas une méta que j'apprécie. Voilà, parce que déjà entre la mousse, bah, en Dark Zone, en DZ, c'est une DZ partie, hein. Vous allez là-bas, c'est plutôt une soirée mousse que voilà, une zone où vous allez vous fight, quoi. Enfin bref, au niveau des stats, pour la Lady Def, bah, pour les joueurs, je vais taper à 23 561. Au niveau de la proba, je vais avoir 56,7%. Donc ouais, sur ma genouillère, si j'ai 6% ou 5% de proba, ben, je suis vraiment capé. Alors 56, c'est très bien, hein. En dégâts de coups critiques, on est à 172. Donc ben, il me manque 8% encore de dégâts coups critiques. Donc on peut largement être à 180. Et 180 plus 25% du masque du coyote. Donc là, vous êtes à 205 de dégâts ou de coups critiques, quoi. Si vous êtes à 1000, hein, au niveau de la montre, hein, vous pouvez monter franchement jusqu'à 205 de dégâts coups critiques. Ça commence à vraiment piquer, quoi. J'ai 56 de dégâts headshot, donc ça c'est bien. Et j'ai 11% de dégâts de protection. Donc ça c'est pas mal parce que bah, voilà, avec les deux walkers. Et la Lady Def qui a du dégât de protection, 11% de dégâts de protection, c'est quand même pas mal pour vraiment faire fondre les armures voilà, bah, des joueurs, quoi, hein. Pour la Vector, on va être à 50 de proba, ce qui reste correct. Moi, je vous conseille d'être entre 50 et 60. Enfin, de toute façon, la cape, c'est 60, hein, mais rester voilà, dans au moins 50, c'est quand même pas mal. Donc là, avec la genouillère, si j'ai encore 6% ou 5%, ça, je pète encore plus. J'ai 177 000 de dégâts coup critiques, un petit peu plus. Bon, ça c'est grâce au mode de la Vector. Avec 56 de dégâts headshot aussi. Donc ça c'est pas mal. Au niveau des bonus de dégâts, toute arme, pour la Lady Death, je suis à 41,8%. Et je vais avoir, pour le pistolet mitrailleur, je vais avoir 39% aussi de bonus de dégâts. Donc franchement, voilà, avec intimidation et avec les stats, franchement, ça découpe vraiment. C'est quand vous mettez des balles, vous voyez bien, de toute façon, hein, vous avez dans les extraits, c'est vrai que c'est en 1v1, vous voyez les armures des joueurs vraiment fondre. Donc c'est voilà, c'est le build en fait que je joue assez souvent quand je suis en Dark Zone. Donc en team, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Après, voilà. Vous en inspirer, mais tout est modifiable. On peut, voilà, on peut par exemple sur un même build comme ça, on peut mettre un petit peu moins de probabilité de coup critique et mettre beaucoup plus de protection d'altération d'état. Ça, c'est bien aussi, surtout en, bah, voilà, en DZ, hein, parce qu'il y a pas mal de mousse, hein, en DZ, comme je vous l'ai dit, et autres.
Donc c'est voilà, tout est modifiable dans The Division, donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Mais là, c'est vrai que sur ce build-là, j'ai voulu chercher un maximum de probabilité de coup critique et un maximum de dégâts coup critique. Et c'est vrai que, bah, alors moi je suis à 197 exactement, mais voilà, pour ceux qui ont terminé la montre, c'est vrai que voilà, vous pouvez monter facilement à 205 de dégâts coup critique. Donc du coup, c'est vrai que ça fait le taf, c'est plutôt pas mal. Donc voilà la team, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à martyriser le pouce bleu, lâchez-moi votre plus gros like. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche. On va préparer TU11 hein, qui va arriver bientôt, hein, mardi prochain. Je pense que ces builds là que je vous présente, ils seront toujours efficaces. Après, bon, avec les nouveaux gear sets, avec les nouveaux équipements, les armes qui vont arriver, on verra s'il y a possibilité de faire des builds encore plus badass. J'ai déjà quelques petites idées, donc bon, voilà, je vous tiens au courant, restez branchés, et puis ben voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.